en avait une de Michel Sardou. Non, alors non. Non. Et alors, je l'ai éliminé direct. Et tu as bien fait. C'est pas possible, ça. Quatrième numéro du 4 heures. 4 personnes pour 4 morceaux, sortez le café et le 4 quarts, on arrive dans une quarantaine de secondes. Bonjour et bienvenue au goûter musical. Pour la première fois, nous avons réussi à faire un goûter en présence de notre invité, ce qui devrait nous apporter 20% de convivialité en plus. Enfin, on n'est pas tout seul, enfin, on est trois, mais du coup, il manque quelqu'un. Alors du coup, bah, rendons d'abord hommage à celui qui n'est pas présent, notre astre du Sud, depuis Orléans. Clem, comment vas-tu ? Bonjour à tous et bienvenue dans la Tartim. Attends, elle était pourrie mon entrée. Presque. Ah, j'y arrive pas à faire des bonnes entrées en fait. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et puis, salut les copains. Et Gab, du coup, mais je te comptais je dans sais les qu'il copains. Est un... Désolé. Bonjour, c'est pas grave. Je sais qu'il est un peu tard pour le goûter, mais est-ce que tu as quelque chose à boire? Oui, un verre de vin rouge. Oh. Je ne mentionne plus le saucisson, il n'y en a pas. Enfin, non. Non. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus surtout, ouais. Voilà. Et ce soir, donc, nous sommes chez Léo. C'est une première depuis le mois de février. Léo, c'est bien d'être chez soi ? C'est bien. Alors, c'est bien parce qu'on peut se promener tout nu, comme je disais hors antenne avant, ou enfin pendant l'antenne, mais ou hors antenne. Tu vois, je fais pareil. Je fais des entrées un peu dramatiques, chiantes et où encore un et où. Toujours et où. C'est une spécialité de la maison. Mais oui, ça fait plaisir en buvant une petite bière locale. non, pas du tout. C'est dégueulasse. C'est de la Heineken. Mais bon, j'ai avec ça dans le frigo. Locale parce qu'elle a été achetée en bas de l'immeuble. Ou... C'est ça. Ouais. C'est un peu l'idée. Et du coup, ce soir, notre invité, c'est Gab du podcast de 4 à 7. Donc du et coup. Oui. C'est moi, le podcast. Bonjour. Salut. Ouais, bonjour. Le podcast qui, on va dire, décortique les musiques de films. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que vous faites Eh bien, on décortique les musiques de films. Exactement. Donc, en fait, deux fois par mois. Voilà. Non, je rajoute des informations quand même. Ouais. Ouais, on choisit un film et on choisit certaines musiques de ce film et on en parle. Est-ce que c'est parce que vous aimez le film et du coup vous parlez de la musique ou c'est vraiment d'abord le côté musique et vous en arrivez après Bah ça dépend. Ouais, oui. Bah parfois j'ai pas vu le film, parfois elles ont pas vu le film avant, enfin... Et ça pose pas de soucis. C'est le fameux et où. C'est le fameux et où. Avant de choisir le film, pas avant d'enregistrer quand même, on est un peu plus professionnel que ça quand même, on regarde les films dont on parle, ouais. C'est plus utile. C'est pratique, ouais. J'avais une autre question à poser, du coup je l'ai perdue, mon cerveau a disparu. Qu'est-ce que vous avez fait récemment peut-être. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, oui, la question de Clem parce qu'elle est bonne. Qu'est-ce que vous avez fait comme épisode récemment? Sur quel film? De quel film vous avez parlé? Ou de quelle musique? Alors récemment, pendant le confinement, on a sorti un nouveau format qui s'appelle la Béolinette, où en fait c'est un peu le même principe que nos épisodes normaux, sauf qu'au lieu de prendre plusieurs musiques, on en choisit qu'une. Et on est chacune notre tour toute seule au micro. Mm-hmm. Et du coup, les derniers épisodes, le dernier en date, c'est We Need to Talk About Kevin, que Karine a fait. Mm-hmm. Après, c'était Délivrance de Marine. Mmh. Et moi, longtemps avant, j'avais fait Interstellar 5555 sur une BO de Daft Punk. Ah, bravo. Avant de passer justement au goûter en soi, je rappelle rapidement le concept de notre émission. Donc, en l'occurrence, on invite quelqu'un qui choisit pour nous un thème. On écoute, on choisit chacun une chanson en lien avec ce thème et on en parle tous les quatre, on l'écoute, on en discute. Et pour une fois, on était parti sur un thème et en fait il s'avère qu'on a changé d'avis. Et c'est dommage, mais voilà, ça arrive, on voulait en parler rapidement quand même. On était parti sur un sujet, en l'occurrence, l'aromantisme. Alors du coup, l'aromantisme, pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui t'a plu dedans et voilà, et comment tu l'as un peu... Et qu'est-ce que c'est surtout? Et qu'est-ce que c'est? Très bonne question de Léo. Moi aussi j'ai une question, pourquoi vous ne l'avez pas choisi? Mais ça, on verra après. Non, ça va, je suis pas si. Tu peux pas répondre à ma question par une question. Je suis pas si remontée contre vous, ça va. Alors,
Déjà, je vais commencer par qu'est-ce que c'est. En fait, l'aromantisme, c'est une orientation romantique. Et en fait, les gens qui ressentent ça, donc dans la définition littérale, c'est qu'ils ne ressentent pas d'attirance romantique. Ouais. Mais bon, c'est pas très clair comme définition. Du coup, bah, moi, je le définis comme en fait, des gens qui sont incapables de tomber amoureux, qui sont jamais tombés amoureux et qui savent qu'ils le seront pas, qu'ils en ressentent pas le besoin et qui ouais. comprennent pas comment ça marche. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi nous ça nous a bloqué, c'est pas le sujet en l'occurrence, parce que nous on s'était mis d'accord en disant tiens, c'est cool, c'est un bon challenge, ça va nous faire un truc un peu plus difficile. Et en fait, bah, moi la difficulté que j'ai eue, c'est comment je détermine qu'une chanson traite vraiment d'aromantisme, parce que tu peux avoir des chansons qui, souvent, je me suis dit, bah, vraiment traitaient purement de ce fait, justement, de ne pas ressentir ce besoin et même cette émotion en fait, du romantisme. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est de trouver beaucoup de morceaux qui soit parlaient de relations qui avaient mal fini, de personnes qui n'étaient jamais tombées amoureuses, mais pas volontairement, mais plus parce que bah, voilà, c'était jamais arrivé. Et ce qui fait que j'étais facilement bloqué en me disant bah, je peux prendre certains morceaux, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à la définition que tu nous avais donnée. Et je me suis dit bah, c'est con, parce qu'en fait, ça fait un peu, entre guillemets, un peu fourre-tout, et j'ai trouvé ça dommage. Et c'est pour ça qu'on s'est, après en avoir parlé avec les gars, on s'est dit bah, peut-être que ce serait plus facile de trouver un autre sujet. Ouais, c'est notamment la difficulté de vraiment répondre à la thématique pile poil et d'être dans un truc un peu qui parle un peu de ça, mais qui en même temps n'est pas le sujet. Et que du coup, c'est quand même quelque chose de très précis. Donc c'est difficile de trouver des morceaux très précis. Après quelques recherches, je suis tombé sur 2-3 trucs. Manu a fait, fait l'intermédiaire avec un truc, avec quelque chose que tu avais trouvé et qui parlait de ce sujet-là, mais qui ne m'intéresse pas du tout musicalement. Donc, c'était un peu difficile de se lancer sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc, voilà, malheureusement, ça arrive. Alors, ça arrivera pas trop, j'espère. Oui, j'espère. Alors, et toi, Clem, vous remarquer que je suis en train de lever la main comme un con alors que personne ne peut me voir. Ne te voyons pas. Pardon. Non, mais du coup, c'était pour prendre la parole juste après Léo. Mais j'espère. Alors, déjà, je vais faire semblant de m'énerver. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faire un ressort humoristique. Du coup, moi, quand j'ai su que c'est toi qui venais, Gab, je me suis dit, ouais, il va y avoir un sujet sur le cinéma. Donc, j'ai sorti tous mes vieux classiques qui parlent de cinéma, les trucs comme ça. Super, je me fais engueuler. Non, mais c'est justement pour ça que j'ai précisé que c'était juste pour un ressort humoristique. Et donc, je tiens à préciser que je suis très en forme ce soir aussi et que je vous allais voir un bon lot de blagues pourraves. Cool. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, trop cool, un truc sur le cinéma. Et mes collègues peuvent en témoigner. Quand on a eu le sujet, j'ai été quand même assez enthousiaste. J'étais vachement hypé parce que, du coup, c'est vrai que j'ai fait du latin en cinquième. Et du coup, un sujet sur la Rome antique, ça me plaisait pas mal. Non, c'était moi qui voulais la faire. Hey, dips. Et donc du coup après j'ai été déçu quand on m'a expliqué ce qu'était le romantisme, l'aromantisme. Non, j'ai pas été déçu. En fait, la difficulté a été vraiment de trouver des choses qui, parce que de mon côté en fait j'avais des bouts de pistes, mais le problème c'était que c'était jamais quelque chose qui était clairement aromantique. C'est-à-dire que souvent c'était des gens qui voulaient tomber amoureux, mais que du coup en fait il y avait pas de réponse de l'autre côté, on va dire. Des choses comme ça, et c'était un peu en fait c'est pas un sujet qui est très répandu dans la musique. Enfin, moi je me verrais pas, tu vois, débarquer ici avec un morceau que j'ai découvert vite fait avec un artiste que je connais pas plus sans lien, juste parce que j'ai trouvé le morceau sur le forum, quoi. Bah en fait moi ce que j'ai trouvé de dommage du coup du fait de pas parler, même si là on en parle donc c'est cool. C'est que justement beaucoup de gens ne connaissent pas ça et que ça aurait été, enfin c'est justement dans la, c'est à travers la musique aussi qu'on se, bah, qu'on découvre plein de choses, genre dans les chansons, enfin des gens parlent de leurs sentiments amoureux notamment et justement le fait que des gens parlent du fait qu'ils n'en ressentent pas, je pense que enfin ça pourrait déjà aider plein de gens à se reconnaître dans les chansons, parce que du coup moi personnellement je sais pas si je peux en parler bien sûr. Je me reconnais dans ça, l'aromantisme, et justement, ouais, j'ai jamais connu de chanson qui parlait pas d'amour ou qui, enfin, qui parlait pas de ça. Et du coup, c'est vrai que les quelques chansons que j'avais trouvées qui étaient potentiellement sur ça, mais pareil, c'est qu'une interprétation, bah, ça fait quand même plaisir à trouver. Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Pour, mais bah, tu as eu tout à fait raison. Mais c'est pour ça. Aussi, hein. C'est très méconnu comme, bah, c'est comme ça. Communauté, on va dire. Enfin, je trouve qu'on est vachement noyé et inondé de chansons d'amour. Il y en a vraiment plein. Ouais, ouais. Et justement, là, j'en ai trouvé 20, quoi, je pense, de chansons là-dessus. Et... C'est pour ça, je tiens quand même à préciser, je trouve que c'est important, c'est, on n'a pas pris le sujet parce que ça nous faisait chier, qu'on comprenait pas, qu'on n'avait pas envie, mais bien plus par difficulté de trouver des trucs, et surtout avec le... Comment dire, ne pas vouloir se planter en fait, de non, parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler en début d'émission, parce que je me dis, en vrai, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je sais que... Enfin, je fais une parenthèse là-dessus, mais je me rappelle d'avoir fait des chroniques, et des fois, de me dire, putain, c'est marrant quand même, quand tu regardes le potentiel de chansons qui sont... chansons d'amour très genrées, homme-femme et tout. Et en fait, tu regardes, tu fais putain, mais c'est quand même impressionnant. Ça noie tout, en fait. Ça noie toute la pop. Et tu te dis, bah, en fait, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par ça. Et ça, bah, pour l'exprimer, en fait, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font, ou alors ils ne sont pas assez médiatisés. Parce que ce n'est pas pop. Enfin, je veux dire, si tu veux répondre au commun des mortels, si tu commences à prendre des engagements de ce niveau-là, là, c'est bien, ça évolue. Maintenant, on peut se permettre de le faire sans être... jugé, mais bon, voilà. Est-ce qui va nous mener, parce que je vais profiter de cette transition, merci. Parce que, transition, parce que sinon on va jamais y en profiter, au sujet du jour qui lui-même est peut-être sujet à débat, mais je trouve que c'est super intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle jamais assez en musique, c'est le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants. Ce qu'on résume en anglais sous le thème child free, que je trouve assez pratique parce que ça résume à peu près tout. Pourquoi ce sujet d'ailleurs? Je t'ai pas demandé, c'est la première question, je devrais d'ailleurs. Pareil, parce que ça me touche. Enfin, je sais pas, je. C'est un ressenti personnel, en fait, je veux dire, c'est. Ouais, souvent, c'est. Ouais, enfin, je sais pas, je m'intéresse au sujet depuis quelques temps et. Enfin, je sais pas, je trouve. En fait, quand vous m'avez contacté, j'ai réfléchi tout de suite à des sujets hyper perso et après, j'ai écouté vos émissions et j'étais en mode. Wow, en fait, ils sont partis sur des trucs genre le ciel, la nuit, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, je sais pas. Terre à terre. Ouais. Ouais, mais c'est chouette aussi moins d'avoir. Engagé, quoi. C'est chouette d'avoir des trucs précis. On est rendu à 3, c'est le 4e, et du coup, c'est très bien de pouvoir montrer qu'on. Enfin, du coup, pour les futures personnes qui viendront ou pas, c'est tout à fait possible de vraiment d'être très spécifique sur un truc. Et puis, ça peut être vraiment, là, tu parles plutôt d'un sentiment ou de quelque chose qui est plus ressenti personnel. Ça peut être un truc de... Enfin, c'est tout et n'importe quoi. On peut parler de guitare, on peut parler de dire je veux du steel drum dans le morceau, quoi. Enfin, c'est voilà. Ça. Mais en fait, c'est ce que je me dis, c'est il faut qu'il y ait un challenge. Et nous, on est super chaud là-dessus parce que... Enfin, je veux dire, on s'est beaucoup amusé sur les 3 premiers épisodes, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que la thématique pouvait être assez globale et voilà, on creuse pas forcément quelque chose de très particulier, même si on se rend compte qu'il y a toujours des choses intéressantes dans les chansons qu'on choisit. Mais c'est vrai que là, de se dire, bah, en fait, c'est cool parce que tu nous as proposé des sujets qui sont plus. Comment dire ? Ouais, qui sont plus liés à des émotions, qui sont plus liés à des sentiments et qui, musicalement, sont pas forcément très représentés. Donc voilà, un thème comme celui-là, je trouve que c'était super intéressant. Tout comme l'autre, mais là il s'avère que du coup on pouvait l'exprimer de façon, je dirais, beaucoup plus claire, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, les chansons où les gens disent explicitement que voilà, qu'ils veulent pas avoir d'enfants. Moi, je sais que dès que tu m'as envoyé le sujet, ça m'a parlé direct et j'avais déjà un morceau directement en tête. Donc, quand on a commencé à se poser la question si vous trouviez ou pas, j'étais non, on le garde. J'ai vraiment envie de parler de ce morceau qui est même plus que ça, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Pardon. D'accord. T'as bien de la chance. Ouais, parce que toi, pour Gab, ça a été plus compliqué. Galéré. T'as galéré, ouais. Et moi, je veux dire merci parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui nous... Enfin, pas la première fois, je ne sais plus si Zu nous... Mais en tout cas, de proposer un sujet sans avoir le morceau et je trouve ça très bien. Alors, bah, merci. Ça, c'est un peu du fait que j'ai dû changer de thème. En fait, j'avais une chanson pour l'autre. Bande de tricheurs. J'avais potentiellement une chanson, j'aurais pu changer d'avis. Ouais. Ce qui aurait été sûrement le cas, d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Toi, Clem, ça t'a parlé? T'avais déjà une idée? Alors, ou... moi, je suis... Pareil, alors, en fait, ouais, j'avais genre 3 choix. Ouais. En fait, quand t'as donné le thème, j'ai tout de suite pensé à 3 chansons et j'ai pris celle qui me paraissait la plus intéressante. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, parce que moi, c'est plutôt, j'ai cherché, j'ai vu quelques exemples assez évidents, puis après, je me suis fait, c'est peut-être trop évident, et puis en fait, j'ai eu du mal à trouver vraiment des trucs très parlants. Ouais, mais l'évidence, donc, c'est bien aussi, des fois. Ça. Et l'évidence, en l'occurrence, c'est bien. La micro-tradition du goûter veut que ce soit notre invité qui nous présente d'abord son morceau. Ouais, du coup, moi, comme je le disais, bah, j'ai un peu galéré parce que, en fait, bah,
bien que le sujet me parlait beaucoup, je voyais absolument aucune chanson qui parlait de ça, sauf une. Et c'est pour ça que je dis que je partais de très loin par rapport à ce que je vais vous présenter. J'ai pensé d'abord à Praise the Lord de Lindemann. Et en fait, elle correspond au thème, mais pas du tout de la manière dont je le voyais et dont il me parlait, en fait. Parce qu'en fait, alors, bien que j'aime beaucoup cette chanson, et je pense que c'est ironique, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, en gros, ça parle d'un mec qui aime baiser sans capote, et que du coup, il est à fond pour l'avortement, pour pas avoir de gamin. Ce qui est assez horrible en soi. On peut le dire, oui. Du coup, c'est pour ça que... Même pas dingo, si pas dingo, effectivement. Mais du coup, même si j'aime bien la chanson et qu'elle me fait rire, j'avais pas trop envie de choisir cette branche-là de ce mode de pensée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais envie de trouver quelque chose de plus éthique, sauf que en fait, il y a deux jours, j'en étais toujours à celle-là et j'avais rien trouvé d'autre. Du coup, j'étais en mode, bon, bah merde, je vais devoir mettre ça. Ce qui est pas inintéressant musicalement. Ce qui est pas inintéressant du tout. Hein. J'aime bien, mais... Mais c'est vrai que j'ai bien galéré, j'ai beaucoup hésité entre... Alors il y en a une que j'ai trouvée qui était cool, qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant » de Henri Tachant. Et j'ai hésité jusqu'à la dernière minute entre celle-ci et celle que je vais vous passer bientôt. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Teasing. Le suspense est à son comble. Mais en fait j'ai choisi celle que j'ai choisie parce que c'est chanté par une femme. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, tu n'as pas de nom. Donc, quel était ce morceau? Alors, c'était « Non, tu n'as pas de nom » de Anne Sylvestre, qui est sortie en 1973. D'accord. Pourquoi cette chanson? Pardon. Oui, c'est... Vraiment... Pourquoi tu as choisi cette chanson, justement, parce que tu me disais que tu as mis un certain chemin à arriver, et tu disais que c'était une femme, mais du coup, de quoi elle parle exactement? Parce que finalement, si tu... Bon, je pense qu'on lit un peu tous entre les lignes, mais en même temps, vu que là, dans le cadre du podcast, ceux qui l'écoutent ne l'ont pas écouté en entier, donc de quoi elle parle un peu... Alors, en fait, justement, cette chanson ne parle pas à proprement de personnes qui ne veulent pas d'enfants, mais elle parle de plusieurs choses, de l'avortement, de l'enfant et du non-enfant, et du choix, en fait, de pouvoir choisir si on veut avoir un enfant ou pas. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'en fait, elle date de 73, donc 2 ans avant la loi qui légalise l'IVG, la loi Veil. Et en fait... c'est ouf en fait qu'une femme parle de ça, déjà qu'on ait laissé une femme parler de ça. Bien sûr. Enfin. Avant que ce soit légal en plus. Et je pense que justement c'est... Déjà pour moi c'était important que ce soit une femme qui parle de ça. Et j'avais trouvé une autre chanson beaucoup plus récente de Chimène Badi mais qui me parlait moins. Voilà, on arrive sur le thème musical de c'est intéressant au niveau des paroles, mais dans la musique c'est moins. Oui. Ça fait partie du jeu aussi, hein. Il y a forcément des trucs, t'as une affinité ou pas, hein, mais. Ouais, c'est ça. Mais justement, ce qui a fait pencher la balance aussi, c'est la date en fait de la chanson, parce que je trouve ça ouf. Franchement. Mais justement, celle de Chimène Badi qui s'appelle Juste une femme, qui est sortie je ne sais pas quand d'ailleurs, justement c'est très droit au but et c'est hyper simple à comprendre, même si je ne sais pas si là c'est compliqué à comprendre, mais en tout cas là il y a des métaphores, c'est bien écrit. Voilà, mais désolé, j'interviens, mais je trouve qu'avec toutes ces métaphores et toutes ces choses, en fait, ça te permet de réfléchir au sujet. Si on te le balançait comme ça dans la tronche, tu réfléchis pas, tu prends le truc tel qu'il est. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir derrière. Je suis assez d'accord sur ça, justement, sur le truc de... Effectivement, on comprend pas directement au premier abord si tu la chopes vite fait, mais si t'écoutes un peu, tu sais de quoi ça parle, même si t'as pas vraiment fouillé. Et c'est hyper intéressant parce que, justement, ça te fait réfléchir.
Mais justement, à la première écoute, j'ai vraiment... Bah, en plus, j'étais désespérée hein, de trouver une chanson là-dessus. Mais vraiment, quand je l'ai écoutée la première fois, je me suis dit « Yes, ça parle de ça !» Et après, à plusieurs écoutes, je me suis dit « Ah ouais, non, en fait, ça parle de beaucoup plus de choses. » Et surtout d'avortement, sur certaines phrases, surtout. Ouais. C'est un morceau qui est de 73 aussi, donc effectivement, parler de frontalement « je ne veux pas d'enfant », je pense que c'était très compliqué, notamment quand tu es une femme. Enfin, ça fait que depuis quelques années qu'on commence à entendre dire des femmes qui peuvent se permettre de dire genre « non, je veux pas de gamin et je changerai pas d'avis ». Donc bon, là, c'est peut-être pas explicite. Oui, non mais voilà. Quand on, je dis c'est qu'elles peuvent le dire frontalement, de là à ce que ça soit accepté, c'est un débat. Ouais, c'est ça aussi. Mais on te coupe sans cesse. Mais c'est bien, parce que ça m'aide à réfléchir. Ça te stimule. Oui, justement, dans certaines phrases que j'ai vraiment aimées, il y a surtout le deuxième couplet qui dit « Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête que jamais ça ne s'arrête ?» Tu ne seras pas mon centre. Et surtout, la phrase que j'aime beaucoup, c'est « Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses ?» Et ça, justement, en fait, c'est que j'en ai, en plus, discuté récemment avec des gens de ma famille et des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que l'instinct maternel ne soit pas un instinct. Enfin, que ce soit... C'est inné. Oui, voilà. ce truc, c'est, voilà, c'est tout le monde. C'est impossible de ne pas vouloir être... de ne pas vouloir enfanter, déjà quand on est un être humain, et en plus quand on est femme. Ouais. Et là, justement, elle dit juste « je ne suis pas que ça, en fait. » Et ce qui est totalement vrai, en fait. C'est pour ça. J'ai trouvé que d'un côté... Alors, tu as peut-être eu du mal à la trouver, mais je me suis dit « oui, certes, c'est en lien avec l'avortement, mais de façon globale. » Tu vois, quand même, c'est ne pas vouloir avoir d'enfant. À un instant T, mais... Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, c'est bien parce que ça rentre dans une espèce de réflexion globale de « je suis une personne, j'ai le droit de décider à peu près ce que je veux faire de mon corps. » Et en fait, tu te dis, c'est pour ça aussi que je trouvais ça super intéressant d'avoir le regard d'une femme sur le sujet, enfin, je veux dire, le regard d'Anne Sylvestre en l'occurrence, parce que par rapport à d'autres morceaux que j'ai pu voir, qui étaient la plupart du temps des trucs masculins, c'est souvent des hommes, effectivement. T'as soit le côté du morceau dont tu parlais tout à l'heure de Till Lindemann, où limite tu te dis, t'as un côté un peu trash de les enfants, limite, faut les tuer, parce que j'en ai vu des morceaux de. J'ai vu des trucs de death metal et tout. Sur le coup, ça te fait rire. Et j'ai même vu des morceaux plutôt gentils, genre, comment il s'appelle ? The Decemberists, qui est un groupe de folk rock. Mais où t'as une approche de ma femme est décédée en couche, alors du coup, je vais tuer les enfants. Tu vois, et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre en fait. L'approche du mec, c'est soit souvent je veux pas d'enfants, je veux pas qu'on me saoule avec, ou alors limite, les enfants, faut les tuer parce qu'on en a pas besoin. Et je me suis dit, enfin, c'est un peu direct et ça soulève pas forcément la réflexion. Alors que là, je me suis dit, c'est cool d'avoir le regard d'une femme là-dessus parce que t'as vraiment l'approche physique de te dire mon corps est censé en fait être un réceptacle pour mettre des enfants dedans et c'est tout quoi. Et c'est un. Enfin, le regard masculin est pas forcément très intéressant là-dessus, mais du coup, d'avoir cette vision de la femme sur le sujet, je trouvais ça hyper intéressant en comparaison quoi. En fait, je trouve ça hyper important parce que c'est le corps qui fait l'enfant du coup. Les femmes en général, même à cette époque, ont le droit de. C'est ça. Enfin, de faire ce qu'elles veulent en fait. Nous te contredirons pas là-dessus, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Du coup, pour revenir sur ce que je disais sur le truc d'instinct maternel et tout, il y a une phrase que. Enfin, il y a un mot que j'aime. Enfin, non. Une phrase ? Je ne sais pas comment on dit. Une strophe ? Ça dépend. Un vers. Un vers, voilà. Parfait. Une phase, sinon. un vers, du coup, qui marche hyper bien, c'est qu'elle dit. Et d'instinct, je te résiste. Et du coup, d'utiliser le mot instinct, c'est hyper fort parce que ça colle pas quoi. Et avec l'instinct truc, maternel, ce qu'on qualifie d'instinct maternel. Parce que c'est ça en fait. T'as toute la notion vraiment d'idée de maternité qui est derrière. Qui est en fait, ça apporte en fait une dimension en plus, je trouve. C'est pas juste tu veux pas d'enfant, mais tu veux pas d'enfant parce que il y a une relation psychologique et physique aussi derrière qui est super importante. Non, mais c'est surtout qu'en plus c'est ce que tu dis, c'est intéressant d'avoir un point de vue de femme sur la question parce qu'en fait on en a, spoiler alerte, mais il y en aura pas d'autres dans la liste et que du coup ça soit vraiment cette question là de en fait c'est physique parce que ne pas vouloir et en tout cas sociétal aussi parce que ne pas vouloir avoir d'enfant quand t'es un homme.
bah, c'est pas grave, au pire tu restes tout seul et puis on te traite pas forcément, enfin tu vois, tu fais ta vie et tout, alors que là quand t'es une femme, notamment en plus putain en 73, ça là par contre j'avais pas regardé avant et c'est couillu quand même, enfin même si c'est pas le bon non, terme, voilà, mieux que couillu. Ouais, voilà, mais si ça, je préfère. Ouais, voilà, enfin c'est porter ses honneurs, en tout cas de dire non, j'ai pas envie d'avoir de gamin et je peux très bien vivre sans, il y a pas de souci sur cette question-là. C'est du coup hyper engagé, enfin malgré un truc qui est pas évident en fait. Ça, j'adore moi justement dans les chansons engagées, c'est quand elles sont pas évidentes et quand tu les captes pas au premier abord et que du coup tu peux la faire écouter à n'importe qui va dire oh oui c'est une jolie chanson alors qu'il a pas du tout compris que ça parlait vraiment d'un truc bien plus profond et bien plus important quoi. Sur ça, quand la forme sert le fond, c'est hyper intéressant et en tout cas c'est très chouette. C'est la différence entre écouter et entendre une musique. Oh, c'est beau ce que vous dites. Merci Maître Corbeau. Mais ouais, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que justement, donc cette femme-là, Annie Sylvestre, elle a fait beaucoup de chansons féministes, enfin, qui sont reconnues comme telles. Et en fait, elle, j'ai lu quelques interviews et elle dit, bah non, mais en fait, j'avais juste envie de parler de ça, parce que je l'ai vécu, et parce que, enfin, en tant que femme, je peux comprendre. Et du coup, elle a parlé de. J'ai pas du tout écouté, mais. Comment ça, tu n'as pas tout écouté? Mais non. Mais ouais, elle parle énormément de femmes et ces morceaux sont très certainement hyper importants à écouter, je ne peux pas. Clem, tu voulais ajouter un truc là-dessus ou... En fait, ce qu'il y a, c'est que je ne connaissais pas Anne Sylvestre, donc déjà merci pour la petite découverte. La chanson m'a plu, elle m'est restée dans la tête. De la sélection, c'est celle qui m'est restée dans la tête le plus longtemps. Et oui, parce que du coup, en fait, t'as cet effet contine qui reste vraiment en tête en plus. Mais, et du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, elle fait réfléchir dans les propos. Donc, moi, je la trouve vraiment très jolie comme chanson. Je trouve ça vraiment très chouette. Voilà. Donc, merci Gab de m'avoir fait découvrir ce truc. Enfin, ce truc, ce morceau, pardon. Je constitue l'approbation de tout le monde. Mais moi. Moi non plus, je la connaissais pas. Et du coup, merci Chloé, si je peux lui faire une dédicace. Non, on n'a pas le droit aux dédicaces ici, je suis désolé. C'est payant. Non, allez, vas-y, fais ta dédicace comme il se doit. Et cette chanson est arrivée comme par magie. Ouais. Voilà. Et bah, écoute. Mais justement, c'est marrant que tu parles de comptine, parce que bah oui, clairement, moi je l'ai eu en tête toute la journée. Et c'est très justement sautillant et tout. Enfin, je trouve dans les. Enfin, je sais pas. T'as des fins de phrases qui répondent à celles d'après. Et même dans la guitare, c'est très... Bien sûr, ouais. C'est pas un canon, mais en fait, voilà, il y a des choses qui se répètent et qui s'interchangent et tout. Et c'est un de ces morceaux où je trouve où la musique et le chant sont un peu sur la même longueur d'onde. Ils font pas la même chose, mais c'est... Y a un... Ça se complète. Voilà, ça se complète. Merci. Merci beaucoup. Mais du coup, ouais, elle a fait quelques albums. Alors, je sais pas combien et je sais pas à partir de quand, mais de comptines pour enfants. D'accord, ok. Justement, ou de lecture pour enfants. Je ne sais si plus. Des gens connaissent bien Anne Sylvestre, n'hésitez pas à nous envoyer des liens en disant mais oui, évidemment, il y a ça, vous saviez pas et tout, parce qu'évidemment, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des liens sur Anne Sylvestre aussi, j'adore ça. Avec un morceau comme ça, moi je sais que ça m'inspire pas mal. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste parler de l'autre morceau, si possible. Ou ouais non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Parce que du coup, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais hésité longuement avec un morceau de Henri Tachon qui s'appelle Je ne veux pas d'enfant. Ouais. Et donc, mon choix s'est fait sur lui parce que c'est une femme et que je savais que vous aviez tous choisi des morceaux chantés par des hommes. Ah. Mais en tout cas, cette chanson-là, je la conseille vraiment parce que en fait, c'est un mec qui dit Je ne veux pas d'enfant et il dit plein de raisons. Et en fait, ces raisons-là, c'est souvent que des raisons qu'on dit pourquoi je veux un enfant. Genre, je veux un enfant pour un peu prolonger mes rêves, pour. Laisser une trace ou ce genre de choses, et là il dit je ne veux pas d'enfant pour ça, et du coup ça montre l'absurdité de la raison pour laquelle on veut faire un enfant en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a, c'est genre pour qu'il soit premier de la classe ou des trucs comme ça, et c'est hyper cool aussi. T'as dit il s'appelle Henri ? Henri Tachon. Tachon, d'accord, ok. Il me semble. Très bien. Bah, de la même façon, on mettra ça dans la. On mettra ça dans la petite playlist. Bah écoute, Gab, merci beaucoup en tout cas, c'était très sympa. Pour un choix de dernière minute, c'est un très bon choix, je trouve. Oui, tout à fait, je trouve aussi. Qui a envie de passer maintenant? Est-ce que je sens Léo un peu près là? Est-ce qu'il a envie de nous parler de son morceau? Moi, j'ai envie de faire tâche. Ah, tu veux y aller avant ou pas? Non, alors, faites pile ou face, chacun de votre côté. Je te laisse la primeur, Léo, vas-y. Tu me laisses la primeur? Ouais, et c'est enregistré, donc on saura que je suis plus gentil que toi en vrai. C'est vrai. Okay, je crois qu'on le savait déjà. En fait. Ouais, globalement, personne n'avait de doute sur cette question-là.
Moi, je vais faire un pas radical. J'ai oublié un tout petit truc. C'est un détail con. Ah, ben oui, la note, de, canapé. Ah, mais oui. Putain. Alors, bon courage. je t'avoue que t'aurais mis quoi comme note là-dessus? Moi, j'aurais mis 2. Ouais, ouais, c'est pareil. Parce que bah, ça, entre 1 et 2, j'ai mis 2. Tu t'endors pas parce que t'écoutes ce qu'elle dit et que c'est assez engagé pour que ça te percute le cerveau. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas très. Bah, ça te donne pas ça envie pas trop, de sauter quoi. Partout, ça c'est clair. C'est, mais c'est pas fait pour. C'est pas jouissif. Mais je suis d'accord sur le fait de. T'es tranquille, mais t'écoutes. Voilà, ouais. T'es concentré quoi. Du coup, donc c'est pour ça que deux. Pas mis. Ouais. Je suis d'accord. Léo, tu es d'accord? Moi, je vais plutôt partir sur un 1 quand même. Parce que moi, je t'avoue qu'elle me fout un peu le cafard cette chanson. Ça lui met 0. Non. On n'a pas encore mis de 0. Non, je vais peut-être en mettre un très rapidement, mais pas sur celle-là. mais ouais, 1. Ouais, hein, je sais pas ce que t'en penses, Clément. Moi, je rejoins Léo. Je mets un 1, mais pas parce qu'elle me fout le cafard, mais plus parce que des fois, avec les paroles, j'ai envie de me mettre en position fœtale. Voilà. Oui. Bah, moi, c'est un peu ce que je veux dire dans M. Full Cafard. C'est pas négatif. En ce fait. Qui reste en lien, du coup, ce avec. C'est marrant le quand le même. Thème. Je me dis, putain, position fœtale pour une chanson qui te parle. T'as vu comment je choisis bien mes mots, des fois. Tout ce que tu dis est génial. Tu con. du coup, Léo, tu peux recommencer. Non, il a fini. Ça y est. Moi, je mets 2 comme toi. Donc, ça fait 2, 2, 1, 1. Donc, ça fera 1,5. Léo, vas-y. Alors. Du coup, quand t'as donné le thème, comme je disais, j'avais un morceau en tête, mais j'avais pas un morceau. Moi, j'avais un album j'avais un album entier. Qui est un album d'un artiste que j'adore vraiment par-dessus tout. Qui est, je pense, l'album en question est un album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Vraiment, j'ai dû l'écouter au moins 400 fois, facile. Qui est un album qui est pas facile, enfin qui est pas facile, qui est particulier, que les gens qui le connaissent soit ils adorent soit ils détestent, enfin c'est un peu bizarre, c'est un artiste un peu détesté dans le rap français, c'est du rap français. Son premier album, je me rappelle même plus du nom, je crois que c'est Sous le signe du V, qui était un album concept sur le fait de vouloir se suicider en étant adolescent, voilà, de mettre fin à ses jours, qui est sympathique au demeurant. Son deuxième album parle justement de ne pas vouloir avoir d'enfants, ne pas vouloir avoir de descendants. Il s'appelle La fin de l'espèce et je vous laisse avec le morceau éponyme qui s'appelle La fin de l'espèce par le club des losers. Si tu oublies que c'est le tien, ce gosse n'a rien d'exceptionnel. Juste un mioche parmi tant d'autres que tu attends devant la maternelle. Futur contractuel ou commercial, peu de Nobel. Avec un papa très inquiet que la petite devient trop belle. Adolescente avec une meute de mal en route à repousser. Tu sais, c'est inévitable, elle va beaucoup se faire baiser ta fille. Puis elle deviendra mère, et comme un con tu seras fier. Pourtant écarter ses cuisses, c'est tout ce qu'elle aura eu à faire. Elle m'a dit, je suis enceinte avec ses yeux remplis d'espoir. Mais les accidents finissent mal. Alors direction l'hôpital pour qu'elle écarte encore ses cuisses. Anesthésie locale, l'aspirateur est en marche pour un retour à la normale. Donc oui, non, je disais Sous le signe du V, le premier album, non, s'appelle Vive la vie, je me suis trompé. Vive la vie, c'est une petite blague sur le fait que non, c'est pas Vive la vie. Donc ce morceau s'appelle La fin de l'espèce, qui est un morceau qui est paru en 2012 par Club des Losers. Club des Losers, c'est principalement le rappeur Fuzati, qui est un rappeur masqué, voilà, qu'on n'a jamais vu sans masque, un peu tel les Daft Punk. Voilà. Et, c'est un rappeur de la veine un peu rap alternatif, comme on a appelé ça, et qui, dans ce morceau-là, enfin, c'est vraiment un rappeur spécialisé un peu dans ce truc de rapper pas très bien, pas forcément très dans les temps, avec une manière un peu trop nonchalante pour certains, qui est du coup du vrai rap à texte. Enfin, je sais pas si on peut appeler, enfin, du rap à texte, c'est un peu con, mais non, mais dans le sens où du coup il y a vraiment un vrai travail des mots et qui est très métaphorique et en même temps qui est très dans le réel. Enfin, dans ce morceau-là, je trouve ça, il y a des choses qui sont vraiment géniales, enfin, d'intelligence. Ils ne pigent que dalle comme des journalistes au chômage parce que les journalistes font des piges, donc en fait ils n'ont pas de piges, donc enfin, voilà, bref. On est un représentant de cette profession dans l'assemblée. Fuzati, c'est le cynisme à l'état brut, c'est vraiment ça, faut aimer. Mais ça fait du bien, en fait. Enfin, je trouve que ça t'explique tout. Quand t'es un peu énervé, écouter du Fuzati, tu te dis, en fait, il y a toujours plus énervé que moi dans la vie et que, en fait, ça va.
Et je pense que c'est un peu... moi, je rejoins un peu cette idée-là de ne pas vouloir avoir de gamin. C'est quelque chose que... Enfin, je ne veux pas de gamin et je n'en voudrais sûrement jamais. Je me laisse toujours la part de changer d'avis. C'est pour ça que je ne me... comment on fait, je ne me fais pas une vasectomie, mais l'idée, elle est là. Et je pense que c'est vraiment cet album et particulièrement ce morceau qui m'ont amené à réfléchir sur ces questions-là, en fait. Je trouve que la phase de « si tu oublies que ce gosse n'est pas le tien, il n'a rien d'exceptionnel », je trouve ça extrêmement bien trouvé, et de dire qu'en fait, on est trop nombreux sur Terre. En fait, il y a un truc très cynique, mais en même temps très... je sais pas comment dire. Terre à terre. Ouais, très terre à terre sur le fait qu'on fonce dans le mur, voilà, l'effondrement, tout ça. Si vous n'êtes pas forcément très à même sur ces questions-là, voilà, on va pas forcément parler pendant des heures, mais je suis très persuadé qu'on fonce dans le mur, qu'on va tous crever d'ici 40 ans. Voilà, je suis très pessimiste sur le sujet. Fuzati est un peu la même chose. Et du coup, je pense que c'est un peu un rappeur qui m'a aidé à voir plus clair dans ce truc-là et à en tirer le bon. Dans tout ça, même s'il n'y en a pas vraiment, d'en tirer une espèce d'aigreur personnelle et de la pencher sur le papier pour éviter de la voir au quotidien. Et je trouve ça assez intéressant. Et par contre, ce morceau est tellement scénique sur la fin Chérie, je sais parfaitement où te la mettre, même si parfois ma merde salit les draps, tout le monde pourra boire de l'eau. Il y a un peu cette idée de. Malgré tout le morceau qui est centré sur sa propre petite personne et d'être très égoïste, la fin arrive sur quelque chose de, en fait, humaniste dans ma manière de faire. Donc c'est un peu particulier. Ouais. Je peux comprendre que ça choque. C'est pas mon morceau préféré de l'album. Je vous conseille vraiment L'Animal, qui est exceptionnel. Mais voilà, tout l'album vaut vraiment le coup et hyper intéressant. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, c'est déjà beaucoup. J'ai parlé pendant 10 minutes. Voilà. C'est bien. Gab, tu veux réagir ? Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tout le morceau est très égoïste, sauf la fin. Et justement, c'est un truc qui revient souvent quand on dit qu'on veut pas d'enfants, c'est « Ah, mais t'es égoïste, tu veux pas d'enfants ». Alors qu'en fait, quand on pense la logique inverse, c'est hyper égoïste de vouloir des enfants. Et du coup... je trouve pas ça, enfin, j'ai pas forcément trouvé le morceau égoïste de ce point de vue où moi non plus je veux pas d'enfant et que je trouve. C'est pas tellement de ce point de vue là, mais c'est qu'il est très. En fait, c'est qu'il est très auto. Il parle de lui tout le temps, mais qu'il est très cynique en fait envers tout le monde. Il dit, tu vois, genre, on peut le taxer de misogynie à mort parce qu'il est quand même très limite sur plein de propos, tu vois, en train de dire, écarter ses cuisses, c'est tout ce qu'elle aurait eu à faire. Enfin, tu vois, il parle très mal de tout le monde, mais il parle très mal de tout le monde en fait. Donc, à la limite, c'est un personnage de misanthrope du début à la fin, Fuzati. Voilà. Et alors. Juste sur un truc, parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Ça doit être un effet de style qui doit avoir un nom, mais je sais pas. Le côté, tu exprimes un truc de la façon la plus crue possible, ce qui fait qu'en fait les gens vont aimer ou pas aimer, mais en tout cas ils vont forcément être interpellés. Et t'enchaînes après sur quelque chose de peut-être beaucoup plus. De beaucoup plus métaphorique où tu pars sur quelque chose qui justement est beaucoup moins cru et beaucoup moins direct, mais par contre commence à te faire réfléchir parce que finalement maintenant ton attention elle est sur ce qu'il dit et tu te dis c'est quoi ce mec, qu'est-ce qu'il est en train de dire, et en fait quand tu commences à écouter tu fais ah oui c'est pas con, je sais que j'avais regardé un peu, mais je sais que Fuzati par exemple c'est un des mecs qui m'a donné envie d'écrire parce que justement il y a cette verbe et ce truc de en fait, je peux être super cru sans être pour autant vulgaire en soi. Enfin, c'est un peu bizarre. T'as un peu ce truc d'être choqué. Tu sais, c'est un peu le... comment il s'appelle Bukowski. Ça fait penser à du Bukowski un peu. Dans cette manière d'écrire, et je pense une sorte de provocation mène à une réflexion derrière. C'est provocant jusqu'au bout. Par contre, le personnage de Fuzati, c'est vraiment quelqu'un qui est très... Enfin, qui est exécrable pour l'avoir vu plusieurs fois en concert. Ça passe ou ça casse, mais c'est vraiment pas souvent bien, quoi. Clem, tu connaissais le morceau ou pas? Non, je connaissais pas le morceau. Je connaissais le Club des Losers, mais je suis pas très fan. C'est pas un truc. J'accroche pas en fait dans le verbe, on va dire. Enfin, dans la manière de prononcer le verbe. Après, là, du coup, je me suis intéressé un peu aux paroles. Il y a des punchlines que je trouve vraiment très bien tournées. Tout comme Léo, je suis climato-dépressif. C'est-à-dire que je suis l'inverse de Trump. C'est bien dit. C'est le vrai maire. Ça, c'est le vrai mot en plus. Donc, effectivement, moi, ça serait une raison pour pas avoir d'enfants. Après, je me suis jamais vraiment posé la question parce que je suis encore un gamin de 14 ans dans ma tête, déjà.
Oh la chance. Oh non, c'est en la fait, puberté, j'ai 14 ans, en vrai. voilà. Après, ouais, le texte est beau. Hein, le texte est vraiment très beau. Après, j'ai du mal à l'association musique et puis flow, on va dire. C'est pas du tout. Il y a un truc que j'apprécie pas là-dedans. C'est le côté nonchalant, comme tu disais tout à l'heure, Léo. Quand tu sais, il y a des gens qui peuvent pas apprécier. Ben en fait, je suis les représentants de ces gens, je pense. Je reconnais qu'au niveau de l'écriture, il y a vraiment un truc intéressant. C'est juste la mise en musique, en fait, où j'ai du mal. Mais au niveau de l'écriture, il y a vraiment un truc très intéressant. Ça, je ne le renie pas. Voilà. Ouais. Moi, j'étais assez épaté de voir quand même que sur un petit move de piano qui dure 3 secondes, qui passe en boucle, bah, en fait, ça marche très bien, cette espèce de spleen. Je me suis même pas dit, oh, c'est chiant, il n'y a pas de variation et tout. Je me suis dit, en fait, c'est... emmené en fait dans le désespoir d'un mec et ça continue puis bah ça s'arrête un moment parce qu'il a décidé que ça s'arrêtait là. Bah justement je vais rebondir sur ce que tu disais sur la différence entre la musique et ce qui est dit. En fait moi je trouve ça cool d'avoir fait ça parce que ça, enfin je pense que ça, comment dire, ça souligne le texte, enfin ça le met en relief. Et ouais, c'est vrai que en fait c'est pas si dérangeant parce que ça nous permet d'écouter ce qu'il dit. Ce qui n'est pas plus mal, en fait, parce que c'est ce qui est le plus important, je trouve. Et justement, je suis très contente d'avoir découvert ça, parce que je ne les connaissais pas du tout. Et j'ai adoré. Cool. Donc, je pense que je vais sûrement écouter tout ce qu'il a fait d'autre. Les petites sélections de Léo. Ouais, je te conseille de commencer par Vive la vie, qui est un peu compliqué, qui n'est pas tout le temps bien. Il y a 2-3 morceaux où tu fais... Oh, il y en a d'autres où tu fais... Et par contre... cet album, non mais oui, c'est pas du tout expressif, ça veut rien dire. C'est trop expressif. Ouais, pardon. Trop expressif. Par contre l'album la fin de l'espèce est vraiment très bien foutu du début à la fin. T'as vraiment un truc qui suit et en tout cas musicalement c'est un peu plus sympathique. Et Fuzetti a chopé du flow sur cet album là parce que comparé au premier où vraiment en termes de rythmique on n'y est pas vraiment, quoi. Voilà. Okay. Bah du coup pareil que vous, comment on dit, climato-pessimiste, je ne sais pas. Il y avait un terme, climato-dépressif. Clem, tu es le reste. Climato-dépressif. Et justement, en fait, j'étais contente que cette chanson parle de ça pour cette raison, parce qu'en fait, j'avais aussi un des autres thèmes que j'avais en tête, si celui-là n'aurait pas été pris non plus, qui était là. qui aurait été la protection de l'environnement. En tout cas, c'est un truc qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et du coup, que la chanson parle de ça, je trouvais ça hyper fort et ça m'a tout de suite marqué. Et justement, là-dedans, pareil, tout le côté de c'est instinctif de se reproduire et tout. Là, il y a une phrase qui est dès le début de la chanson et je trouve que cette chanson commence et finit de la meilleure des manières, je trouve. Qui est « Un soir, la Terre m'a raconté qu'il faudrait castrer les humains car les erreurs se reproduisent, la preuve en sont tes gamins. » Et je trouve ça hyper fort d'utiliser le mot « reproduire » pour le double sens, c'est qui ça. Est hyper drôle et cynique, justement, et que c'est la Terre en soi qui lui est demandé de... Enfin, tout ce côté... Ouais. C'est contradictoire. Ouais. Il y a un truc un peu paradoxal, mais il joue sur deux trucs en même temps, c'est... Et en note de canapé, parce qu'apparemment Manu veut absolument que je donne une note de canapé à ça. Moi, je lui donne presque du -1. C'est-à-dire que c'est ma chanson de suicide. Vraiment. C'est très bien. Je la trouve déprimante au plus haut point, mais en même temps, elle est hyper lumineuse. Donc en fait, elle est absolument pas sur un canapé. Elle est soit. Enfin, je sais pas. C'est impossible. Je dirais du 0. Allez. Parce que du coup, moi j'étais à deux doigts de porter plainte parce que la dernière fois je voulais mettre un 0,5. On m'a dit non, tu vas peut-être pas commencer à mettre des trucs. Par contre, si on commence à mettre des moins. Enfin voilà, faut qu'on soit cohérent. Moi j'ai rien quoi. Dit. Hein. J'ai rien dit non plus, je sais pas du coup. J'ai jamais entendu 0,5. Si, la dernière fois. Parce que tu voulais pas. Oui, tu voulais pas. Je voulais pas. Oui. Mais tu peux mettre 0,5. Non, si je mets 1. Allez hop, je mets 1. Vous savez qu'après je fais des moyennes donc je suis forcément avec des demi-points. Oui, bah 1. Moi je mets 1. À toi Gab. Putain, c'est ouf parce que genre. J'ai écouté vos autres émissions et à chaque fois j'étais en dessous de vous et là je suis bien au-dessus. Ouais. Je voulais mettre 3. D'accord. Parce que, alors, peut-être 2 en fait. Ouais, peut-être 2. Ah, t'es hyper grand. Tu veux mettre 3, si rapport, tu veux mettre 2,5, tu peux apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on peut mettre des 2,5. Ah, bah je vais mettre 2,5. Allez, notre parce que je me disais, c'est pour moi, ça me. Enfin, je sais pas, ça. Je dirais pas que ça bouge plus que la précédente, mais je sais pas, il y a un truc. Je pense que c'est dans le flow en fait de la oui, je pense que c'est ça parce que le piano clairement
pas du tout. Ah ouais, enfin, je sais pas pourquoi, mais je le ressentais plus canapesque. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas le terme, mais je sais pas. Donc 2,5. Ouais. C'est bien 2,5. Clem, est-ce que tu veux nous proposer ton morceau, vu que tu as gentiment laissé la place à Léo? Veux-tu continuer la période française ou du coup Ouais, t'inquiète. Voilà, vous savez que le dernier morceau en français, c'est le mien. Du coup, moi, je suis parti sur un artiste que j'écoute pas forcément, que je connais. En fait, c'est Mano Solo. Et c'est... Alors, Mano Solo, c'était un guitariste du groupe Chihuahua, dans la même veine que la Mano Negra dans les années 80. Après, il a commencé une carrière solo en 93, le premier album. Et moi, en fait, j'ai découvert Mano Solo à sa mort, ce qui est très con. Mais j'ai un ami qui est très fan de Mano Solo et qui m'avait fait... Enfin, à sa mort, il était très peiné. Et du coup, il m'avait dit, non, mais écoute, il m'avait fait une petite sélection de sons. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait plutôt touché. Faut savoir que Mano Solo, c'est très autobiographique, on va dire, comme chanson. Ces chansons sont presque des journaux de bord, ouais, mieux. C'est des journaux de c'est bord. C'est pas évident, journaux de bord. Non, c'est te l'accorde. Pas évident à mettre au pluriel cette merde. De bord avec un S. Non, vas-y. Journals. Des journals. Du coup, ouais, ces chansons, c'est vraiment des journaux de bord. Et voilà, donc c'est Mano Solo, pour situer, c'est le fils de Cabu de Charlie Hebdo. Du coup. Ah, oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, je vais vous faire découvrir le morceau. Enfin, vous l'avez déjà écouté. Le morceau s'appelle donc Pas du gâteau de Mano Solo. Sorti sur la Marmaille Nue en 93. Et je vais vous faire des détails toutes les 10 secondes. Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un. On le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida. Alors du coup c'est Mano Solo, alors... Moi, j'aime beaucoup parce que, alors comme je disais, c'est très autobiographique. Et en plus, il a vraiment une voix d'écorché vif, on va dire. Donc, c'était un artiste assez complet. Il faisait de la peinture. Il était très engagé vis-à-vis de certaines associations. Et surtout, le point très important, c'est pas important, c'est pas ce qu'il définit, mais en fait, il a assumé sa séropositivité. Dès son premier album, notamment donc en 93. Et donc, du coup, c'était un artiste qui était atteint du sida et qui est mort de ça. Et en fait, du coup, le lien est dans cette chanson parce qu'effectivement, j'ai pris le truc un peu à contre-pied, puisque lui, il explique dans toute la chanson qu'il veut un enfant, qu'il veut. Enfin, voilà, pour toutes les raisons peut-être égoïstes qu'on a dit tout à l'heure, mais en fait c'est sa compagne en l'occurrence qui n'en veut pas et qui lui dit que la vie c'est pas du gâteau, et effectivement je ne peux que lui donner raison, la vie c'est pas facile. Heureusement, il faut toujours regarder la vie du bon côté, comme diraient les Monty Python. Mais du coup, en fait, c'est ce contraste entre le fait de vouloir un enfant, être séropositif et tous les risques que ça engendre. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il y a des risques. Et du coup, c'est ce contraste-là qui m'intéresse vraiment beaucoup dans cette chanson, avec le contraste de sa compagne. Et voilà, en fait, c'est ce côté où un mec avec une maladie vraiment dégueulasse se retrouve à vouloir un enfant, mais du coup ne peut pas pour certaines raisons, et sa compagne qui va, on va dire, va avoir les yeux un peu ouverts là-dessus et sur d'autres choses. Voilà, c'était ça que je voulais mettre en exergue en choisissant ce morceau. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que Mano Solo c'est vachement bien, et faut écouter notamment la Marmaille Nue, c'est chouette.
et des lives. Moi, ce qui me fait marrer avec Mano Solo, c'est qu'à chaque fois que j'en entends, je me dis putain, mais il faut que j'en écoute, ça a l'air vraiment bien, et à chaque fois, j'oublie. Ah ouais, mais c'est vraiment donc, bien, mais si, c'est. Je vais essayer de m'y remettre. Ouais, mais c'est un peu dépressif en fait. Moi, là, tu vois, je m'y suis remis un petit peu ces derniers temps et. C'est les Ogs de Barbac version dépressif, non, c'est ça? Je classerais pas les deux dans le même thème. Enfin, dans... Non, mais je rigole, c'est oui, juste oui, parce non. que ça fait penser un peu du rock festif français. Mais ça a l'air très cool. Du volo un peu dépressif. Ouais, du volo un peu dépressif, je te l'accorde un peu plus. Mais bon, non, okay, c'est... Ok, merci. C'est assez dépressif quand même, hein. Enfin, parce que du coup, il parle de sa maladie, il parle de plein de choses, de ses dépressions et compagnie. Du coup, des fois, c'est un peu lourd, quoi. C'est peut-être même plus lourd ouais. que du 16, c'est dire. Ouais. Ouais. Après, ça sent un peu le vécu aussi, quoi. C'est... Peut-être qu'il est touché par des choses qui sont plus dures que 16, je ne connais pas oui, exactement bien la vie d'Amien 16. Je pense aussi. Mano Solo, pour moi, depuis que je suis gamin, ça a toujours été le chanteur. Ah oui, il est séropositif. Ouais, c'est mais, triste hein, de résumer quelqu'un comme ça. Mais il ne faut pas le définir que par ça. Là, j'ai été obligé un peu d'en parler parce que c'est dans la chanson. Bien sûr. Mais en vrai, faut pas, moi, je ne le définis pas que par ça. Franchement, il a écrit des textes. Que ce soit... Alors moi, c'est « Toujours quand tu dors » que j'adore, ou « Sacré-Cœur ». Qui sont tous deux, je crois, issus de... Attendez, je vérifie. Ouais, c'est tous deux issus de La Marmaille Nue, donc l'album de 93. Voilà, il y a quand même vraiment des textes qui sont magnifiques. Et du coup, toujours chanté avec cette voix. Enfin, tu sens qu'il crie à la vie tout ce qu'il a sur le cœur. Et ça, moi, je trouve ça toujours très, très beau. Ouais, j'avoue. Gab, tu connaissais un peu Mano Solo ou absolument pas. Et t'as bien fait de dire que... Bah, de raconter... tout ce que tu viens de raconter, parce qu'en fait, ça me fait comprendre la chanson différemment. Parce que moi, je le connaissais pas du tout et je savais pas qu'il était séropositif. Et pour le coup, moi, quand j'ai écouté la chanson pour la première fois, j'étais pas hyper emballée. Mais en même temps, après, en la réécoutant plusieurs fois, je me dis, mais en fait, ça, le texte, ça va, j'aime bien, la voix, j'aime bien, les instruments, ça va, le rythme aussi. Mais du coup, je sais pas ce qui me dérange, mais. Enfin, je sais pas, j'aime bien ça. Ça me dérange pas, mais en même temps, il y a un truc qui est... Qui bloque. Ouais, qui fait que ça m'emballe pas de ouf. Mais du coup, ce que j'aimais bien dans le texte, parce que je suis pas hyper fan non plus du texte, justement, c'est très terre à terre. Ouais. Et c'est justement la contradiction de... notamment... En fait, le premier couplet, j'avais l'impression qu'il allait dire justement qu'il n'aimait pas les gamins, parce qu'il dit « je vois des gamins qui me regardent un peu d'un air bizarre et tout », et je me disais... j'avais l'impression que ça le rendait... Enfin, ça le mettait mal à l'aise, qu'il n'aimait pas ça, et en fait, direct après, il dit « bah allez, on en fait un ». Et du coup, ça m'a... Enfin, ça... J'ai bien aimé cette contradiction. Et du coup, une autre contradiction que du coup, j'ai sûrement mal comprise, mais du coup, en ne sachant pas qu'il était séropositif, du coup, la phrase « et même si j'ai le sida, moi, ça me coupe pas l'envie », je me dis « pourquoi pas ?» Et justement, tout ce qu'il dit là, et en fait, je me suis dit que c'était aussi un peu paradoxal avec le fait qu'il en veuille vraiment un, parce qu'il dit, je me dis pourquoi pas. Et pour moi, pourquoi pas, c'est genre, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, parce que les gens le font, et. Enfin, sans vraiment se poser la question, et justement, le fait que la compagne éclaire un peu là-dessus, c'est ce qui est intéressant, et ce qui met la chanson dans le thème, carrément. Après, moi, j'ai découvert cette chanson à sa mort, donc du coup, c'était assez tourné dans le sens Mano Solo est mort des suites de son sida. Donc du coup, quand j'ai entendu la chanson, je savais le contexte de Mano Solo quand il a écrit ce truc-là. Alors du coup, pour revenir là-dessus très très vite, faut savoir qu'il l'a eu pendant plus de 20 ans avant d'en mourir. Et c'est ça qui est fou en fait. Et que du coup, toute sa carrière solo avant, parce que quand il était dans les Chihuahuas, il ne le savait pas ou il ne l'avait pas encore. Toute sa carrière solo, en fait, il l'a faite en étant séropositif. Donc, chapeau. Et quand tu vois en fait tout ce qu'il en a pu tirer en fait musicalement, parce que je veux dire, oui, il parle pas forcément toujours de maladie dans ses chansons, mais par contre, tu dis il y a une envie de vivre en fait. Il y a une. C'est vraiment quand on dit un artiste à fleur de peau, lui, c'est vraiment ça, parce que tu te dis en fait le mec, il peut mourir du jour au lendemain. Donc, enfin, je pense que il s'accroche à quelque chose, et c'est pour ça qu'en fait il y a plein de choses qui lui passent dans la tête, et cette chanson en particulier, ça marche super bien, parce que tu te dis est-ce qu'il y ment sérieusement, tu sais pas, mais en même temps sérieusement ça veut dire quoi pour un mec qui est séropositif et qui peut mourir du jour au lendemain, quoi. Et
c'est je trouve que ça ajoute vraiment une force, quoi. C'est, je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des enfants ou pas, enfin tu vois, c'est par rapport à un cas particulier, c'est un contexte très personnel et tout, mais en même temps je trouve que c'est très parlant en fait, la façon dont il en parle, quoi. Voilà. Oui. Tout. oui, je ne sais pas comment réagir à tout ça. Non, mais voilà, j'étais en train d'en chercher les paroles. Ça, en fait, tu le vois dans une phrase qu'il dit à un moment donné, c'est mais moi, tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu sais, c'est un peu l'espoir dans un tunnel très sombre, on va dire, ce délire. Et enfin, voilà, c'est assez con. L'espoir émerge du noir, comme on dit. Ouais. Je trouve que c'est un peu l'opposé, je vais peut-être me décaler, mais l'opposé un peu de ta chanson j'ai oublié son Anne Sylvestre. C'est un peu le total opposé, c'est-à-dire c'est j'ai envie d'un gamin, mais je ne peux pas malgré tout, et du coup je ne veux pas de gamin parce que je ne peux pas vraiment, alors que l'autre c'est vraiment la question de se dire bah non, je n'ai pas envie. Enfin, c'est très bizarre, Ouais, c'est un peu. Du coup, je trouve que c'était intéressant d'avoir les deux, justement, sur ce truc de. C'est pour ça qu'elle me fout presque moins le cafard, même si elle est normalement plus déprimante, en fait, a priori, si on réfléchit au truc. Parce qu'il y en a un, c'est Anne Sylvestre, c'est plus une pulsion de vie et de dire, genre, c'est pas parce que je suis vivante que je dois me reproduire. Et l'autre, c'est genre, bah, parce que je vais bientôt mourir, je dois me reproduire, mais je sais pas pourquoi. On est vraiment conditionnés, putain. Et je trouve ça super intéressant pour le coup. Je trouve ça super bien qu'on ait choisi. Enfin, au final, sur les trois morceaux que vous avez choisis, il y a trois approches intéressantes, mais du coup, ça se complète en fait. C'est là que tu te rends compte que bah, c'est quand même selon chacun sa personne et sa vie qui va décider en fait si ça lui correspond ou pas. Et je trouve que bah, en fait, c'est un peu le truc fondamental. C'est quelque chose de très personnel en fait. C'est ça que je trouve super intéressant, quoi. Et maintenant, je vais poser la question chiante. Qu'est-ce qu'on met comme note de canapé là-dessus ? Alors, du coup, moi, je vais me lancer. Je vais mettre un 3. Parce que y a quand même... la musique m'enjaille un petit peu. J'utilise deux fois j'enjaille. Mais oui, la musique me plaît particulièrement. C'est rentré dans le dictionnaire. Oui, non, mais je sais. Enjailler, ça fait un petit peu. Mais voilà, la musique est assez festive. Je ne sais pas si c'est festive. Je sais pas. Si, c'est du rock festif, quoi. Mais du coup, voilà, je mets un 3 pour la musique, et puis, voilà, je fais une note pondérée, on va dire. Très bien. vous aviez des petites notes, mes camarades ? Moi, je mets un 4 pour les mêmes raisons. C'est que la musique me m'enjaille, comme tu dirais, et puis, je sais pas, il y a un truc un peu festif derrière tout ça, même si c'est un peu dépressif sur la fin. C'est de l'espoir plus que du. Ouais. C'est ça. C'est plus de l'espoir que de la déprime. D'accord. Et toi, Gab ? Bah, clairement, je suis d'accord avec le côté espoir. Et justement, moi, comme je connaissais pas l'histoire du mec, je la voyais pas du tout comme si dépressive. Je sais même pas si je la voyais dépressive. Donc, tu pars sur combien ? 3, 4 ? Ouais, du coup, je partais sur 4. Enfin, 3 ou 4 en fait. Mais là, je pense que je vais partir sur 4 parce que d'accord. La musique est entraînante et que je l'ai vue moins déprimante que ce qu'elle était. Mais c'est vrai que sur la fin, elle est plus. Donc, Comment dire ? Moi, je suis parti sur 3 parce que je me suis dit, c'est vrai que si tu la prends vraiment comme une chanson de Mano Solo, t'as quelque chose d'assez triste en fait. Mais c'est triste parce que c'est beau. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est ça part de « Oh, bah le mec, il a envie d'avoir des enfants, c'est cool. » Mais en fait, il a envie d'avoir des enfants parce qu'il est malade et qu'il va peut-être bientôt mourir. Donc, c'est triste. Mais du coup, c'est beau. Et en fait, avec la musique derrière, je me suis dit « Bah, ça te file pas la pêche. » Et en même temps, il y a un peu du soleil là-dedans, quoi. Donc, 3 ou 4. Je suis parti sur 3. Il y a du soleil dedans. Il y a du soleil dedans, ouais. Et des nanas, la. Si vous voulez renvoyer Léo, vous pouvez voter la semaine prochaine. Je peux rebondir sur cette blague en faisant une autre. Profite. C'est cool d'avoir choisi une chanson qui s'appelle Pas du gâteau pour le goûter. Oh, oui. Meilleure blague. Non, okay. Bien meilleure. Je m'incline. Je sais pas. Je suis là pour mettre à l'aise en termes de jeu de mots de merde. Après la note de canapé, on fera la note de blague de Léo si vous voulez.
I don't want kids, I just want pets. I can't foresee that this will be one of my great regrets. Your kids are fine, 'cause they're not mine. To me, a life lived without children sounds divine. I try to make excuses when folks arrive with their baby. There's nothing I dread more than someone handing it to me. Donc c'était I Don't Want Kids par Thomas Benjamin Wild Esquire. J'adore ce petit nom. Ça a un peu le goût d'une saveur du début du XXe siècle, mais avec la qualité de son de maintenant. Il y a un côté assez petite chanson tranquille de saloon que j'aime beaucoup. Alors je connaissais pas du tout le bonhomme avant, j'en sais pas beaucoup plus maintenant. C'est un chanteur avec une grosse barbe, un dandy qui fait des bonnes blagues. Donc cette chanson s'appelle juste I Don't Want Kids, parce que bah voilà, il veut juste pas d'enfants et il préfère le raconter de façon enjouée. Donc c'est vrai que ça fait un peu contraste par rapport à ce que vous nous avez fait écouter tous les trois depuis le début. Et tu as été bon élève sur ce morceau, tu es le premier à avoir. En fait, il s'avère que tu cherches des chansons qui disent bah ouais, je veux pas d'enfants, c'est une des premières qui revient et. Bah, en fait, je comprends pourquoi, parce qu'elle a quelque chose d'assez léger, d'assez tranquille, et en même temps, le refrain, il est limpide. Je vous redis du coup le texte en question. Il explique, en fait, dans le premier paragraphe, il dit qu'il en a marre de toutes les conversations avec ses amis, sa famille, on lui demande est-ce qu'il compte avoir des enfants avec sa copine et tout. Et en fait, il dit bah, je veux pas de gamins, juste des animaux, je le vois, ce sera jamais un regret pour moi. Vos gamins sont bien, parce que c'est pas les miens. Pour moi, une vie sans enfant me semble divin. Et voilà, il le répète au moins 4 ou 5 fois, mais bah, c'est fun, quoi, c'est léger. Et je me suis dit, bah, c'est une bonne façon de tourner aussi le truc, parce qu'il n'y a pas besoin forcément que le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant soit quelque chose de forcément déprimant, de triste, ou comme si tu gâchais une partie de ta vie, c'est un échec, tu fais... Bah non, là, le mec, il a juste envie d'être tranquille, de faire sa petite vie. Son album, au passage, s'appelle Awkward Encounters While Walking My Dog, qui veut dire étrange rencontre quand je promène mon chien. Et en fait, je me suis dit, oui, je m'imagine très bien juste à promener un chien en écoutant cette chanson. Juste, t'es content. Voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté très, très pragmatique de bon, moi, j'ai pas envie, je préfère avoir mon petit chien, je fais ma balade et puis c'est cool. Voilà, je me suis dit c'est aussi assez rigolo parce que c'est une chanson du coup qui a un style très rétro et j'imagine même pas une chanson qui sort comme ça genre en 1920 quoi. Je pense que le mec il se fait pendre en place publique ou c'est juste pas possible. Et attends, elle est sortie quand c'est 2019 je crois. Ah, c'est 2019. Oh, tu le reconnais quand même parce que le son de le son des instruments est quand même très très propre. Ouais, mais je me suis dit, je sais pas, tu vois, c'est un remaster, c'est un truc des années 70. Non, même pas. Ok. C'est un dandy moderne, mais par contre, si vous cherchez des photos, vous aurez toujours l'impression que c'est un vieux mec, quoi. Mais du coup, je trouvais ça étonnant. Du coup, je suis assez déçu. Voilà, je vais pas te mentir. 2019, c'est moins. Et en même temps, open-minded, quoi. Une chanson comme ça que maintenant, tu vois. C'est dire si limite face à un propos qu'on n'aurait pas sorti avant. Je me dis bah putain c'est fou quoi. Surtout qu'il y a rien de bien ambigu ou de très compliqué quoi là-dedans. Non, donc voilà, si pour certains les enfants sont une joie, pour lui c'est avant tout un poids. Gab, t'en penses quoi? Vas-y. Ouais, bah je suis hyper d'accord avec toi sur le côté. Je vais peut-être me rapprocher que. Bah en fait c'est hyper enjoué et c'est ça qui est trop cool parce que justement ça dédramatise en fait le fait de pas vouloir d'enfant parce qu'en fait bah c'est ok de pas vouloir d'enfant et il y a des gens qui le vivent très bien et généralement le vivent mieux que de se forcer à avoir des enfants, c'est clairement ça. Et du coup bah ouais le fait d'avoir une chanson aussi joyeuse ça m'a mis trop la pêche, j'ai cool. J'ai kiffé, je dansais sur mon siège pour un petit spoil de la note de canapé après mais quand je l'ai découverte et j'étais heureuse, vraiment hyper feel good et c'est ça qui est trop bien dans cette chanson et justement il y a des gens qui disent que les gens qui n'ont pas d'enfants deviennent aigris. Bah clairement tu fais écouter cette chanson, c'est la joie incarnée, bah c'est ouais. Hyper drôle et j'ai adoré les petites phrases genre je veux juste des animaux, tes enfants sont bien juste parce que c'est pas les miens, ça j'adore ça. C'est ce que j'ai bien aimé en plus parce que tu vois c'est pas un espèce de plaidoyer anti-gosse genre les gosses c'est chiant ça fait du bah bruit. Oui il dit qu'il les aime bien mais juste que c'est... Voilà à petite dose quoi. Voilà c'est ça. Je suis d'accord sur ça. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait... j'aime bien l'idée, justement, de dire, en fait, j'ai pas envie d'avoir des gamins, mais c'est pas que
Pour refaire personnellement, mais c'est aussi, putain, c'est des contraintes de ces morts, les gamins, quoi. Mmh. T'es obligé de t'en occuper en permanence, et, bah, c'est normal, en fait, enfin, c'est un peu le but, mais sauf que quand t'en as pas, t'as pas perdu ta vie, en fait, juste t'as gagné du temps, putain. Enfin, quand t'as 40 balais, que t'as pas de gamins, tu fais ce que tu veux, quoi. Mmh. Donc, en fait, si t'es fatigué, que tu veux prendre du temps pour toi, bah, tu prends du temps pour toi, et voilà, et puis ça coûte de l'argent, c'est tout ça, donc I don't want kids, bah ouais, en fait, j'ai pas envie d'avoir de gamins. Pour plein de raisons, et la raison d'être tranquille en fait partie aussi. Et c'est très chouette. C'est ta vie, quoi. C'est... Non, mais c'est ça. Non, mais t'as vraiment ce truc-là. Effectivement, je suis d'accord sur le fait de dire que pour l'instant, on a été sur des trucs un peu dépressifs. Après, mais un peu dépressif, on s'entend. Oui. Mais sur des registres assez différents jusque-là. Et là, c'est juste, en fait, le penchant un peu... en fait, j'ai pas envie d'y avoir des gamins parce qu'en fait, j'ai envie de vivre ma vie tranquille et qu'en fait, c'est pas un manque. Le truc, c'est qu'il se j'aime bien l'idée de ne pas se construire en opposition avec le reste du monde en disant bah, « En fait, j'ai juste pas envie d'avoir de gamin. Je suis pas en train de me justifier de quoi que ce soit. » Voilà, c'est tout. C'est ça. Et c'est bien, ça évolue. On peut y arriver tous ensemble, n'ayons pas de gamin. Ne nous reproduisons pas. Ah non, il est en train de faire passer un message. Merde. Clem, vas-y, enchaîne. Ça t'a plu ? Oui. un avis simple. Oui, moi ça m'a plu, ça m'a fait penser à un truc dont j'ai oublié le nom, donc c'est super con. Mais tu vois, peut-être à peu près aussi connu je vois exactement. Benjamin. Franklin. Thomas Benjamin, en fait, j'étais sur. Thomas Benjamin. Ce que Thomas Benjamin, hein, aussi. Je sais pas de quelle nationalité est ce monsieur, mais c'est vrai qu'il a une très belle barbe. Mais oui, je crois que c'est un truc qui s'appelle Steamboat Willie auquel ça me fait penser, justement un mec qui reprend des trucs, qui fait de la musique à l'ancienne, voilà, où t'as envie d'aller chez le barbier et puis de prendre un bateau à vapeur. des envies qui me viennent très régulièrement. J'aime bien le rythme de la musique, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien les vieux sons qui me rappellent les vieux Disney déjà, tu vois, c'est une référence. Mais comme une autre, mais voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après, dans le propos, j'ai pas grand chose à dire. Non, mais je suis content parce que du coup, au final, j'avais pas pensé que ma chanson ferait contrepoint, mais ça a l'air de d'être le cas. C'est bien pour finir. Ça pour une fois, c'est moi qui finis la note en jouée, quoi. C'est pas tous les jours. Sur la note de canap, moi, j'étais parti sur 4. En fait, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'écouter ça chez moi. J'ai envie de faire comme lui, de me balader avec mon chien en écoutant avec l'air un peu fier et tout dans la rue. Donc oui, j'ai mis 4. Voilà, j'ai mis 4, mais ça aurait pu être plus, je n'avais pas vraiment d'idée. Oui, moi je vais mettre 5. Okay. Parce que justement, je trouve que c'est vraiment, ça me fait sautiller sur mon canapé, mais ça ne me donnera à aucun moment l'envie de me lever. Ah là, oui. Tu vois, la musique n'est pas assez, assez enjaillante, pour reprendre des termes techniques. Pour me lever du canapé. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est très chouette. J'ai bien aimé. C'était une bonne découverte. C'est un truc que je réécouterai peut-être pas, mais que si tu me repasses en soirée, je vais faire oh, j'aime bien. Cool. Gab. Ouais. Moi, j'étais partie. j'étais partie sur 5 ou 6, étant donné que je n'arrive jamais à choisir. mais ouais, bah en fait, la première fois que je l'ai écouté, j'étais assise et je. Comment expliquer ça ? Je dodelinais de la tête, je tapais des pieds et je bougeais un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est pas trop possible de se lever parce que je me vois très peu danser là-dessus. Et je pense que ouais, c'est une bonne musique pour quand tu te balades en fait et que tu veux juste être en mode oh, c'est cool, il fait beau. C'est ça. Je suis en mode feel good en train de marcher. Du coup, 5 ou 6, tu m'as dit ? Peut-être 5. Ouais. Allez, 5. Clem, tu auras l'honneur de la dernière note. Ouais, je vais mettre un 4. Parce que moi, effectivement, j'ai envie de danser dessus et faire la danse de la pompe à vélo, on va dire, à pied. Tu sais, cette vieille danse où du coup tu vas battre avec les mains là, comme si tu pompais un vélo, puis en même temps en bougeant les jambes, tout ça. Et j'ai envie d'être bien habillé, tu sais, un peu rétro avec des bretelles. Tu veux dire avec une canne ? Ouais, un peu, limite genre, avec une canne. Ah ! Voilà, j'ai envie de faire ça. Après, c'est un peu compliqué, tu vois, en soirée, il faut que j'ai les accessoires, tout ça. Mais je ferai sans les accessoires à la rigueur. Donc voilà, je mets un 4. J'hésitais avec un 5, mais 4 parce que du coup, c'est pas de là à péter un accoudoir. Vu les notes qu'on a mis en général, je trouve que déjà là, on est quand même sur quelque chose. Ah, celle-là, on est sur du high level. Là, on est sur du high level. Oui. J'attends d'ailleurs les auditeurs qui nous ramènent des chansons au niveau 9-10. Ouais. Franchement, D7.
déjà. Il y a moyen que Fray the Board, pour le coup, elle soit à ce niveau-là, en vrai. Ben, je crois que sur ce, on va pouvoir peut-être conclure ce quatrième goûter. D'ailleurs, on a eu quand même une belle sélection française, hein, je suis en train de me dire. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième fois de suite, mais il s'avère que ouais, on a quand même trois morceaux en français. Ce qui est pas, banal, parce qu'on fait pas ça trop souvent. Mais en tout cas, merci Gab, parce que c'était un sujet que je trouvais super intéressant. Et on a réussi à trouver quatre morceaux qui l'abordent de façon complètement différente. Et bah, j'espère que ça poussera des gens à faire des chansons là-dessus, parce que c'est super intéressant. Ouais, merci d'avoir été chercher des thèmes un peu compliqués au point qu'on en refuse. Voilà. c'est très bien. Mais du coup, c'est chouette de pouvoir aller chercher dans des trucs très différents et d'être moins dans le ressenti et tout. Enfin, moins ou pas, c'est différent. Et du coup, c'est chouette de pouvoir aller dans ce. C'est un peu ce qu'on se disait quand on a commencé à créer ce truc-là, c'est de pouvoir aller chercher là où on ne sait pas où on va chercher. Donc c'est ça. Très cool. En plus de t'être plié au jeu et de ne pas avoir de morceaux sur le thème adéquat. Je trouve ça très cool. C'est bien joué. Là, tu disais peut-être qu'il y aura d'autres chansons derrière. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus de chansons sur la romantisme, parce que vraiment, j'ai vraiment... Enfin, vous aussi, je sais, hein, vous avez essayé de chercher. Et c'est vrai que ça a été un truc un peu complexe. Donc, moi, je dis, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comme dirait Patrick Bruel. Ah et non. On essaye de refaire cette émission sur la romantisme et en essayant d'avoir c'est des trucs un peu exactement ce que mieux. Je suis en train de me dire. Si justement des gens pensent à des chansons dessus, des petits conseils à me donner, on est preneur et puis on en reparlera. Parce que c'est pas parce que là on n'a pas réussi parce qu'on est nul qu'on peut pas le faire en vrai. Donc en vrai, Gab, si un jour tu veux revenir faire le goûter et qu'on parle de ce sujet-là. Carrément, je pourrais vous filer les morceaux que j'ai trouvés. Mmh, bien sûr. Non mais si. Mais je te dis, c'est à l'occasion, ce sera super intéressant d'en reparler. D'ailleurs, au passage, pour des gens qui participeraient potentiellement à l'émission, n'hésitez pas à choisir des sujets un peu originaux, un peu entre guillemets compliqués, parce que franchement, c'était super intéressant de faire un truc là-dessus. Je trouve qu'il y avait vraiment des trucs à dire, donc c'était vraiment. Ouais, par contre, genre votre meilleur morceau de Brutal Deathcore. Je voulais quand même vous remercier parce que j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait franchement, ça faisait super merci plaisir de pouvoir goûter avec toi en tout. Juste pour savoir, Gab, du coup, c'est quoi ton dernier ou ton prochain épisode sur quoi vous allez bosser prochainement? Alors, demain soir, on enregistre sur Shining de Stanley Kubrick. Donc voilà, c'est le musique. Prochain. Et après, d'autres aventures. Je sais plus qui a fait la musique d'ailleurs. C'est plein de gens. Ah ouais. Bah vous aurez qu'à écouter. D'accord, vous cool. Ouais, je suis très curieux. Bientôt, je sais pas trop quand ça va sortir, mais vous allez continuer la béolinette ou... Alors c'est prévu, mais pas tout de suite. Je pense en saison. Alors attends, on est en quelle saison là? En saison 4 de notre podcast, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez particulier en saison 4. Mais après, on a envie un peu de faire comme vous, de tricher sur vous et de faire plein de formats différents. Enfin plein. Mais il faut. Jusque là où notre imagination nous mène en fait. Et du coup, je me dis que. Peut-être elle va être réutilisée avant la violette, je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est un chouette format. Et... Ouais, non. Mais après, c'est vrai qu'on a très hâte de se retrouver à je pense, aussi. Je pense que c'est ce que je me suis dit, parce que c'est vrai que ça fait quand même ça fait hyper longtemps. Hyper longtemps que vous n'avez pas fait une émission ensemble, donc c'est vrai que ça va être cool de pouvoir réentendre ça. Merci quand même au reste de mes zigotos. Clem, merci beaucoup encore une fois. Et ben, merci à Gam, merci à vous les copains, et puis ben, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. T'as vu, j'ai presque soigné ma sortie. Oui. C'est propre, hein. Putain. Moi je trouve que c'est pas mal ce que t'as fait. Léo, t'as un truc à dire? Pour dire au revoir en fait, ou merci ou... Bah, à la semaine prochaine, ou à une prochaine fois, à bientôt, pour la prochaine Tartim qu'on enregistrera incessamment sous peu. Alors apparemment, faut pas dire incessamment sous peu, faut dire soit sous peu, soit incessamment, parce que ça veut dire la même chose. J'aime les pléonasmes et je vous emmerde. Il est creepy quand il dit au revoir. Et moi, faut que je conclue là-dessus. Quoi. Sympa le mec. Merci à celles et ceux qui nous écoutent encore. Au passage, donnez-nous vos idées de chansons sur le sujet avec vos notes de canapé entre 1 et 10. Si vous avez compris le principe, à 1, vous êtes léthargique, à 10, vous faites exploser votre canapé et vous le lancez sur votre voisin. À peu près. On sait que ça va pas être facile, mais on vous respectera encore plus si vous trouvez des chansons du coup sur ce sujet. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Concernant nos dernières recettes, du coup il y a eu un La Même Pas Pareil sur Alabama Song qui vient de sortir. Blues from the News numéro 5, début du mois. La Tartim arrive bientôt et puis on aura un programme assez garni pendant l'été. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête pendant les deux prochains mois. Bonne digestion à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, le goûter, ça ne se justifie pas, ça se prend.
pour la petite anecdote, je crois que j'ai toujours le vinyle de, des Lacs du Connemara, et le passé en intro de Stupéflip vite, en mode tu scratches un peu avec, c'est vraiment très drôle. Voilà. D'accord. Je n'ai pas d'avis. Ouais, moi non plus. Tartinta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son, mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout? Alors Podcut est fait pour vous.